En effet, nous pouvons remarquer que les icônes et les mosaïques les plus anciennes semblent partir d'un même modèle, qui, d'après la tradition, est non fait de main d'homme. Le Christ Pantocrator de la mosaïque de la coupole Sainte-Sophie à Istanbul en est un exemple saisissant. Les yeux grands ouverts, un peu dissymétriques, ne sont pas dus à une défaillance de l'artiste, mais un souci de rester fidèle au modèle. La joue est enflée. Toutes les représentations du Christ datant des premiers siècles présentent des joues inégales, donnant une impression de dissymétrie dans le visage. Elle différait donc radicalement du visage idéal et symétrique des divinités antiques. Le Dieu des chrétiens n'était pas une idée, mais une personne. Le père Pfeiffer explique qu'il a essayé d'abord de faire dériver toutes les représentations du Christ du linceul de Turin, mais il avoue s'être toujours heurté à deux problèmes. On ne peut pas déduire du seul linceul que le Seigneur avait un visage ovale, presque rond. Et l'autre difficulté concerne la mèche de cheveux sur le front, présente sur beaucoup de représentations, mais non visible sur le linceul de Turin. Il y avait donc une autre source d'inspiration. De plus, les écrits les plus anciens font allusion à l'existence de deux images du visage du Seigneur, dites achéropoïètes. Il pense que les deux reliques, qu'il identifie comme étant le suaire de Manopello et le Saint-Suaire de Turin, circulaient probablement ensemble pendant une certaine période. Pour lui, il s'agit des deux seules vraies images du visage du Christ, images dites achéropoïètes, c'est-à-dire qui ne sont pas dues à la main de l'homme. Il ne se trouve aucun artiste du haut Moyen Âge qui n'ait exécuté une sainte face. Ils sont tous partis de la même matrice. Un exemple, peut-être le plus réussi, celui du peintre flamand, connu sous le nom du maître de Flémal, qui est vécu entre 1375 et 1444. Le Christ a les yeux ouverts, le visage sans cou, les oreilles dissimulées derrière les cheveux. Il est représenté sur un tissu aussi transparent qu'une toile d'araignée. Un détail à remarquer, les plis qui figurent sur la peinture du voile se retrouvent sur le voile de Manopello. De même, jusqu'au XVIe siècle, les représentations du Christ paraissent, sous le pinceau des peintres, que ce soit Bellini, Raphaël, Fra Angelico, partir d'une même source, comme si tous avaient peint le Dieu fait homme à partir d'un même modèle. Même barbe clairsemée, lui donnant certaines fois une apparence juvénile, yeux ouverts, sur certains, on peut même s'apercevoir que la joue droite est enflée. C'est donc le même homme qui figure. Et on ne peut qu'être frappé par leur ressemblance avec le visage du voile de Manopello, comme ici, le Christ bénissant de Bellini.